Salut Kita, moi je m'appelle Hubert Mott, j'ai monté La Vie est Belt. Ici on est dans l'atelier principal de La Vie est Belt. On revalorise notamment les pneus de vélo en ceinture et on fait d'autres accessoires avec des déchets faits ici à Tourcoing. C'était important pour moi de me sentir utile pour améliorer un peu la société dans laquelle on vit, tu vois. Les déchets, c'est un vrai sujet. Les gens qui ont des difficultés, qui ont des galères pour une raison ou une autre, c'est une réalité aussi. Et essayer de résoudre ces problèmes de société, ça me touche. Donc ici, j'ai par exemple une bande qui a été découpée à l'aide de cette machine qu'on va pouvoir nettoyer et travailler pour faire une ceinture. On bosse avec des emporte-pièces qu'on a montées sur des presses et ça nous permet de venir faire des découpes. Je vous en montre une. Alors, quand j'ai démarré cette étape-là, je la faisais avec un marteau, avec un maillet. C'est pour ça qu'on a encore cette enclume que j'avais déjà chez moi, que j'avais acheté sur le Bon Coin. Moi, je me suis formé avec des artisans, des cordonniers. J'ai été les questionner et comprendre un peu leur technique. Donc là, on a des pneus qui ont été découpés et qu'on a collectés au sein des magasins Décathlon des Hauts-de-France. Avec qui on a un partenariat depuis pas mal d'années maintenant. Donc que des pneus qui étaient voués à être détruits et qu'on est venu découper et qui vont être lavés là. Moi-même, je suis cycliste, je roule beaucoup à vélo. Le pneu, c'est un déchet qu'on n'arrive pas à éviter aujourd'hui et c'est un déchet qu'on n'arrive pas à recycler. C'est pour ça qu'il y en a autant qui sont finalement qui finissent incinérés. Et donc je me suis dit, il y a un vrai besoin sur cette matière, un vrai besoin de solution, de revalorisation. Et je suis parti de ça pour faire un produit. On a développé d'autres gammes de produits avec d'autres matières à revaloriser. C'est le cas du linge de maison de seconde main. Donc on collecte avec notamment le relais. On en a collecté plus de 2 tonnes. Donc des draps, des housses de couette en coton, qu'on lave, qu'on repasse et qu'on monte pour en faire, par exemple, des caleçons. Et j'ai vu Nounours, c'est toi qui as retiré cet emporte-pièce. Il était déjà enlevé. Du coup, tu utilises celui-là? Ça a été un sacré cap de me rendre compte qu'en fait mon projet il m'appartient plus vraiment. Et tant mieux, et c'est génial, il y a d'autres personnes qui se l'approprient et qui y participent et qui au quotidien se lèvent avec la pêche et la patate pour le faire grandir et lui donner encore plus de sens. Dans La Vie est Belt, il y a quelque chose d'optimiste dans le jeu de mots, tu vois, rendre la vie un peu plus belle avec des ceintures et que tout devient possible quand la vie est belt, en fait, même démarrer dans une cave avec 300 € et puis voilà. Et je dirais à un jeune, s'il a vraiment envie d'entreprendre, surtout de s'écouter, ce qu'on a vite fait, de se mettre des barrières et de se dire ouais, non mais pas tout de suite, je suis pas légitime, j'ai pas encore l'expérience, j'ai pas encore... Mais non, c'est d'y aller à fond, tout de suite, et écoutez-vous, vos tripes, et y aller là.